Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 27, me semble-t-il, de Dragon Age Awakening. Il est 18h44, nous sommes le mercredi 20 octobre 2014. Ouais, je sais pas pourquoi je suis parti en 14. C'est joli. De liqueur démoniaque, non mais. C'est où la route? C'est de là d'où je viens, d'accord. Il fallait que je rentre dans le bâtiment. Dans le ci... Dans quoi? Le cimetière des dragons. Pff. Oh, déjà rien que le nom il pue, quoi. La dextérité améliore non seulement la défense du personnage, le rendant ainsi plus difficile à toucher, mais également ses chances de toucher et les dégâts qu'il inflige avec les armes performantes comme les dagues et les flèches. Je n'ai pas de dagues, j'ai de flèches. Pas avec Camille. Je suis ravie de te revoir en bonne santé, ma sœur. Serrani, Mithal soit loué, tu es en vie. Non, que non, t'as non. Fait subir l'architecte. Pourquoi rester avec lui? L'architecte est bon et tendre avec moi. Il m'a dévoilé ses plans. Les engeances sont pareilles à nous. Ouais, c'est chelou. L'architecte les a libérées, et comme les Dalassiens, elles aspirent à trouver leur place. Il n'a agi que dans l'intérêt de son peuple. C'est une ambition digne de respect. Tu ne crois pas, ma sœur? Non. C'est de la folie. Ramenez-la à la raison. Velana, dites-moi que vous ne croyez pas à moi. Ce sont des monstres, ils n'ont rien à faire. Velana, dites-moi que vous ne en croyez pas un mot, ouais. Serrani, elles ont tué nos amis parmi tant d'autres. Tu l'as oublié? Au contraire. Et c'est pourquoi je dois les aider. Elles sont pareilles à des enfants venus au monde incapables de discerner ce qui est juste et bon. Leur nature est bestiale, mais je les ai vues la surpasser. Elles n'ont besoin que d'un guide. J'ai pas confiance, moi. Dire que j'ai tenté de vous aider. Vous avez choisi votre camp, vous mourrez avec les enchances. Alors venez avec nous, vous le ferez savoir à tous. Non. Dire que j'ai tenté de vous aider. L'architecte m'attend, et vous aussi. Il vous expliquera tout. Vous comprendrez comme j'ai compris. Non! Ne pars pas! Elena, s'il faut, je te pète. Hein. Oh putain, il y a du monde. Oh, il y a du monde par là-bas. Est-ce qu'il y a des petits cadeaux avant de partir? Oui. Ce sera fait. Non, non, c'est toi qui fais. Cristal? Oh putain. Donc pas intéressant. Oh la vache. Ah d'accord, c'est... Non, c'est clos. J'arrive. Tu vas mourir. Allez. Ouais, bam. Bon, les filles, c'est... Voilà, oh, GG, Velana! Je peux pas. Sans combat, évidemment. Oh, oh putain! J'ai presque envie d'y aller maintenant, parce que la flight avec. Ah, je suis tourné. Putain! J'ai bien fait pas y aller. Et pourtant, j'avais prévenu! Le disciple hérétique! Hérétique, mon cher! Alors, non, c'est pas ça, non, non, c'est le tap. Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah les gars. Ne les laissez pas nous prendre défaut. On l'a vu, on est peut-être là. Bon bah, tu veux te battre contre moi? Bientôt avec ton armure. Bon, bah d'accord, c'est une fois alors. Eh ouais, tu les laisses tranquille. Quelle oh. Ravagie d'imbécile! Ah d'ailleurs, je vais faire ça pour toi. Voilà. Allez, saigne! Donne-moi ton... Je prends tout. Toi, qu'as-tu pour moi? Une épée à deux mains des engences. Rus plus 2, ça ne m'intéresse pas. Je pense que je pourrais la vendre cher, mais ça ne m'intéresse pas.
Gang de chair. Je prenais tout ce qui est, tous les cristaux. Je sais, volonté inflexible. Ouais. Pardon, désolé pour les raclements de gorge intempestifs, mais on va aller voir là. La gang de chair du cristal. Je sais pas ce qu'on va en faire. Mais au moins, si un jour il y a besoin, on en a. Allez, vas-y. Eh oh! D'accord, je peux pas en combat. C'est tranquille, sinon. Merci. Oh, c'est bon. Garde! Non! En fait, on est 1 versus 1 versus 1. Enfin, 2 versus 2, 4 versus 2 versus 1. Bon, rien, je m'embête là. Je peux pas me taper. On a un coup de pote, je te dégage. Hop, c'est toi le plus loin. Nickel. Le cristal. Camille. Hop, on va quand même faire le level de la copine. Tu augmentes quoi, ta magie, ta ma volonté. C'est bien la volonté, que ta volonté soit bête. Tiens, tu fais de moi de l'artisanat, c'est très bien. Tu me focalisation du bâton, dans les attaques directes au bâton, obtient un bonus de dégâts permanent. C'est cadeau. D'ailleurs, en parlant de ça, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-là. Je veux Vélana et je veux qu'elle me lance ça. D'ailleurs, Vélana, tiens, qu'est-ce que je peux t'enlever là? T'as rien en fait. Ah, faut que je le pense à le garder, à l'utiliser dans le gain. Vulnérabilité, je vais l'enlever, tant pis. C'est ACP, d'accord. Et ça. Ok. Bon, bah, on va se débrouiller avec ça. Oh la vache. Ah, bah, elle a du sort d'actif, hein, la copine. Enduit, non. On refait la route encore. Sauf que tout le monde est mort. Cool. Ah, je suis content en fait que tout le monde soit mort. Ah, ça pue lui. Hein. Oh, l'aura qu'il y a sur les armes. Comment on se retrouve? Non, Uta. Ne prenons pas un mauvais départ. Je vous dois des excuses, commandeur. Lors de notre dernière entrevue, je voulais m'expliquer, mais le sort en a décidé autrement. J'ai réussi à fuir plutôt. Je vous ai servi de cobaye. Si j'ai pris des mesures contre vous, c'était uniquement pour dissiper une méprise avec votre ordre. Le genre de méprise qui se termine dans un bain de sang général. Ouais, je connais ça. J'ai dépêché le flétri pour demander l'aide des gardes des ombres. J'aurais dû savoir que notre approche serait perçue comme une attaque. Je suis mauvais juge en ce qui concerne les réactions des vôtres. C'est très regrettable. Vous deviez solliciter notre aide? Dans quel but? Regrettable, vous les avez saignés à mort. Regrettable? Ouais, c'est ça. Les gardes des ombres qu'on m'a amenés étaient déjà morts. J'ai pris leur sang comme j'ai pris le vôtre, contraint et forcé. Les choses n'ont pas pris le tour que j'escomptais. Tout ce que je demande, c'est d'être écouté. Si ensuite vous souhaitez toujours ma mort, libre à vous d'essayer. Je t'écoute. Les miens sont perpétuellement en quête des anciens dieux. C'est dans notre nature. Lorsque nous en trouvons un, un nouvel enclin commence. Chaque fois, nous attaquons la surface et vous ripostez jusqu'à notre défaite. Pour briser ce cycle, les miens doivent être libérés de cette obsession. À cette fin, il me faut du sang de garde des ombres.
Comment comptez-vous libérer les engeances de leur obsession? Voulez-vous mettre un terme aux enclins? Pourquoi avez-vous besoin du sang de garde des ombres? Le sang de l'ordre a s'écoulé, l'heure de la revanche a sonné. Pourquoi avez-vous besoin de sang de garde? Oui, pourquoi? Pour devenir ce que vous êtes, vous buvez notre sang pour vous transformer. De façon similaire, nous devons nous transformer. J'ai conçu une version de votre union qui recourt au sang de garde des ombres. Vous assimilez la souillure. Nous voulons assimiler votre résistance. Ben non. C'est ainsi que je pourrai libérer les miens. Votre sang est la clé pour les immuniser à l'appel pressant des anciens dieux. L'ordre est censé mettre un terme à l'enclin. Et alors, à nous la quille et les histoires du bon vieux temps au coin du feu. Mais laissez-moi deviner, un problème subsiste. Ouais. Parmi les nouvelles engences, certaines sont intelligentes, d'autres folles. En quoi changent les engences après ça? Ouais, hein, déjà. Une fois délivrées, les engences pensent par elles-mêmes, parlent, agissent. Hélas, certaines ont mal agi. Ouais. Elles sont défectueuses et s'en prennent à moi. La matriarche les rassemble dans l'intention de me briser, puis de vous briser. Seul, je ne puis vaincre la matriarche, et tant qu'elle vit, je ne peux pas davantage libérer les engeances. Nos buts convergent. Ouais. Engeance ou pas, il marque un point. Faut-il vraiment qu'on s'entretue jusqu'à la fin des temps? C'est donc ce que ma sœur a vu. Un allié, parmi les engeances. C'est une occasion unique. Ouais. Aidez-moi à vaincre la matriarche. Ça, d'accord. Et quand ce sera fait, je vous laisserai pour achever mon œuvre. Ouais, je voudrais finir son genre. Oh, j'ai presque envie de le péter, lui. Oh, putain. Quelle est cette matriarche, au juste? Et comment va-t-on... vous a-t-on libéré? Les autres engences ne souhaitent pas être la liberté... Ne souhaitent peut-être pas la liberté. Ah, vache, c'est dur à lire, ce soir. Quelle perversion de voler le sang des gardes des envois. Très bien, je suis avec vous. Non, je refuse de vous aider. Finissons ça. Non! L'architecte est un visionnaire! Ne soyez pas stupide. Ah, toi, tu vas répondre. Pour moi, vous laissez passer une occasion en or. Enfin, ce que j'en dis. Ah. Mais nous aurions pu briser ce cycle infernal d'enclins et d'anciens dieux. C'est fort regrettable. Ah, j'ai fait exactement mais tout ce que je tout ne monde vous voulait en pas. Veux nullement. C'est dans votre nature, tout comme dans la nôtre. Je suis désolé, Uta. En fin de compte... je crains de ne pouvoir honorer ma promesse. Oh putain! Veuillez m'excuser, commandeur, de devoir lutter pour assurer ma destinée. Oh la vache! Bon bah tout le monde réprouve, j'ai fait absolument pas le choix, le choix inverse. Bon. Dans un saut. Arrête de parler. Aucune pitié ne sera accordée. Ce sera tiré la guerre. Si vous insistez, soit. Oh la vache. Voyons à quoi ressemblent tes poyaux. Ah, il y a Uta là, je l'ai pas vu. Ouais, bon bah Nathaniel, il laisse la faire. Sur le champ. Pour couler le sang n'a rien de glorieux. Il me faut des soins. Voilà. Bon, ouais, on va faire le combat là, je pense qu'on va peut-être... Comme vous voulez. Ah oui, j'ai plus de... potion et de puissance. T'as beaucoup de mana. Ta faiblesse, t'as perdu. Ce sera tout. Il me faut des soins. Quoi? Tu vas t'en vendre des joyaux. Je vis votre espèce. Oh la vache. Aucune pitié ne sera accordée. Ah la vache! Ogren! Au combat! Comme vous. Lâchez prise! Mana!
va y arriver, hein. Bon, on va leur faire avec raté. Guidez mon bras. Ouais, j'ai mis ton bras. Moi, j'en ai une. Oh merde, il va y avoir. Hop, prends une potion, toi. Oh, on va refaire ça, ouais, je pense. Vu que là, j'ai fait le choix exactement opposé de tout le monde répond. Vite, soignez-moi. Où ils sont passés? C'est à moi, tu se sens? Voilà, juste voir ce qu'il avait. Pas de choses intéressantes. Ouais, bon. Allez, on va la refaire. Charger. Du coup, moi, je vous fais une petite ellipse, le temps de revenir à la discussion, et je vais suivre. Là, j'ai vraiment trop réprouvé tout le monde, bon. Voilà. Bon, bah, à tout de suite. Et quand ce sera alors fait, je vous laisserai pour achever mon œuvre. On est reparti. Bon, ça a pris quelques secondes. C'est qui la matriarche? Bon, allez, on va reprendre en classique. C'est qui la matriarche? La création la plus imparfaite. La liberté l'a rendue folle. Et son poison s'est insinué dans l'esprit des autres. Son influence s'étend à tous ceux qui n'ont pas encore été libérés. Et elle les rassemble en armée. Je ne souhaite nullement régner sur les miens. Tout ce que je souhaite, c'est briser leurs entraves. Ok. Les autres engins ne souhaitent peut-être pas la liberté, ouais. Comment le saurait-elle quand toute possibilité de choix leur a été interdite? Sans choix possible, la seule voie qui leur reste consiste à souhaiter la venue d'un enclin. Je crois en l'existence d'une alternative. Et comment vous êtes-on libéré? C'est vrai, ça? Je suis né tel que je suis, étranger aux yeux des miens. Pourquoi? Je l'ignore. Pourquoi certains des vôtres deviennent-ils gardes des ombres? Pourquoi d'autres sont-ils en mesure de manier la magie? Je n'ai pas la réponse. Allez, très bien, je suis avec vous. Si leur cervelle toute neuve tient les engences à l'écart d'Anzamar, ça me va. C'est ce qu'il faut faire. Serrani l'a cru, et moi aussi j'y crois. Je saisis parfaitement l'effort que cela représente. Ah, pas clairement. J'espère me montrer digne de votre confiance. Parce que j'aime pas du tout. La matriarche est par là. Je ne puis l'approcher physiquement. Sa progéniture la protège de mon pouvoir. Mais quand vous l'affronterez, je ferai mon possible pour vous aider. Vous avez ma parole. Bon, bah tout le monde approuve du coup. Ça m'embête. Puisque j'aurais préféré péter tout le monde. Ah, j'ai gagné quoi? Brasier de l'architecte. Merci. Juste ça quoi en cadeau. Et j'en ai qu'un en plus, c'est ça le pire. Bon, y'a plus rien d'autre. Ah, dommage. Dommage, j'aurais bien voulu, mais bon, vu que tout le monde réprouve, etc. Oh bordel. Là, d'autres de ces villes créatures, droit devant. Si je peux. Oh. Vêtements, je gagne de la magie. Ouais, pas beaucoup. Plus d'armure. Régénération, plus de défense, plus de magie. Ah, on va déjà regarder à quoi ça ressemble. Non, je vais rester en archiviste. J'aime bien la team d'archiviste. Oh putain, y'en a là! Ah merde! Bon bah écoute. Ok. Oh putain, j'avais pas fait attention, j'ai regardé pas. À mon tour. Camille est mort. Super. Allez. Ah putain. Ah et puis j'ai pas pouvoir le sortir ce truc là. J'ai une interruption tout le temps.
Oh bah je suis mort. Oh putain, c'est même pas la peine. Juste avec toi, Coco. Ah bah ça va pas mal se passer. Allez, je vais dire avec le F6. Maintenant il reste épisode, en plus c'est la fin. Ah, j'ai absolument pas regardé. Ouais, il passe 26 secondes. Hop, on va quand même les péter, on va pas partir comme des. Hop, on prend ça. Voilà. Et ouais, je peux pas faire avoir. Ne les laissez pas nous prendre à défaut. Bon, est-ce que ce brasier va passer ce coup-là? Voilà. Oh plus. Oh non. Bon, super, je vais devoir le brasier sur lui. Oh la vache. J'ai mangé. Non, c'est toi, du coup tu en mets toutes tes soeurs, ouais, t'es mignonne. Comme vous voulez. Bah. Ah, voilà. C'est bien, c'est pas comme si ça te bouffait 50 millions de mana. Bon, en tout cas, l'épisode là est clos. On n'aura pas eu le dragon là-bas. Hop, on fait la sauvegarde 28 pour l'épisode 28. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi après-midi pour l'épisode suivant. Allez, ciao tout le monde. Pousse.